Le poisson est une denrée de base au Sénégal, mais de nombreuses espèces sont aujourd'hui affectées par la surpêche, qu'elles soient légales ou non. Jadis très poissonneuse, les côtes du Sénégal ne nourrissent plus son homme. La ressource halieutique se fait de plus en plus rare. Cela a affecté toutes les activités du secteur de la pêche. Ce constat n'échappe pas aux quelles pêches de Julien Chor, selon Amdi Diop, un doyen dans le métier rencontré sur place. Ils sont aujourd'hui très nombreux ceux qui interviennent dans le secteur de la pêche. Et du coup, nous connaissons une surcharge. C'est très difficile. Nous traversons des conditions très difficiles dans le secteur. Donc, commerce, bi doxatul nga ñew geej mota geej dal fu mu neeni mom dafa sir sarse ba nga xamne ne fofu rek la mëna yam. À Elenkin, l'un des plus gros sites de pêche du pays, la rareté des poissons inquiète plus d'un. Sous l'effet des mauvaises pratiques de pêche qui affectent les eaux sénégalaises, la ressource halieutique a totalement migré. Ici, les pêcheurs multiplient les grosses plongées en haute mer, mais parfois ils rentrent produits malgré les gros efforts. Il n'y a plus de poissons dans les eaux. Nous sommes obligés d'aller jusque dans les eaux bissau-guinéennes. Nous payons nos licences de pêche, mais n'empêche, nous rencontrons d'énormes c'est pas pareil. Gagner la course de gage, chaque jour, l'eau la gagne. Comme on a vu d'appeler. Mais d'ailleurs, ça serait trop. Nous déboursons plus d'un million de francs CFA pour la licence de pêche, mais cela ne nous accorde pas la tranquillité dans les eaux bissau-guinéennes. Nous n'avons pas de problème actuellement. Nous avons des gages qui font tenir les gages du Sénégal. Nous avons tout le temps. Avant d'y aller, il te faut obligatoirement la licence de pêche. Ils ont tout vendu, nos autorités. Les bateaux étrangers ont tout raflé. C'est pourquoi nous sommes obligés d'aller dans les eaux bissau-guinéennes, tout proche. Mais avec tous les risques. On doit réglementer la pêche car nous nous dirigeons vers les lendemains sombres. Le poisson se raréfie. Nous pouvons facilement faire plus d'un mois en haute mer sans pour autant ramener quelque chose de consistant. C'est trop pénible ce que nous traversons. La surpêche, la pêche non déclarée ou non conforme à la loi en vigueur, bref, le manque de réglementation dans le secteur est souvent pointé du doigt. Les filets utilisés par nombre de pêcheurs ne sont pas en norme. C'est difficile, il faut que l'État veille sur ça. La rareté de la ressource halieutique n'est pas sans conséquence sur les activités de pêche à Julien Chor, principale ville dans le sud du pays. Actuellement, bo gisé mu ser dafa jafé. Sudé da ngay jënd essence, jënd galas. Autrefois, le poisson arrivait en abondance et c'était moins cher. Mais aujourd'hui, il est devenu très cher. Quelle pénible situation nous traversons. Aujourd'hui, l'on estime à plus de 60 000 pêcheurs qui arpentent plus de 8 000 pirogues motorisées pour aller à l'assaut des vagues sénégalaises. Mais que de kilomètres parcourus avant que les poissons ne tombent dans les mailles des filets. Séniketa, le président du quai de pêche du village de Linkin, ne cache pas son étonnement quant aux distances parcourues. Mais il alerte surtout sur le danger lié à l'éloignement des côtes sénégalaises. Parce que tous les pêcheurs ici, les Ghanéens, les Sénégalais, pêchent du côté de la Guinée-Bissau. Mais quand tu es du côté du Bissau, tu n'auras pas l'information de la nocine. Les ressources halieutiques représentent 75% de la consommation de protéines animales dans ce pays depuis que le secteur de l'élevage est en perte de vitesse. Avec le rythme soutenu que prend ce phénomène de la surpêche, conjugué à l'accroissement démographique et au changement climatique, c'est la sécurité alimentaire de nombreuses populations qui est ainsi affectée. Amadi Khalilou Diémé, Julien Chor, pour la radio-télévision Wolfadi.